Je souhaite que personne ne soit exclu de l'Europe. J'aimerais que l'Europe renouvelle son contrat social avec l'ensemble des habitants des différents pays. Et que je trouve que, d'ailleurs, dans ces consultations, il n'y a pas suffisamment de jeunes de lycées professionnels et de personnes qui habitent dans des quartiers prioritaires en politique de la ville. C'est un peu dommage et je suis prête à y travailler pour faire en sorte que d'être médiatrice pour que ces personnes-là ne soient pas exclues de ces dispositifs. Je pense que c'est très émancipateur de participer à des journées comme celle-là. Et c'est ce que je souhaite, c'est ce qui donne un sens à nos vies. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux jours de discussion avec le panel de Bourguignon Franc-Comtois ? Déjà, c'est de travailler en grande région avec des gens qui ne sont pas seulement du territoire bourguignon ou du territoire franc-comtois. On fait vivre les échanges et la richesse de tous ces territoires dans la grande région qui vient d'être créée. Et ça, c'est un plus. C'est compliqué de parler d'Europe, d'échanger sur ce sujet-là ? C'est compliqué d'être dans un processus d'échange démocratique à tous les niveaux. Moi, je le fais au niveau d'un syndicat. Je le fais aussi au niveau de la caisse d'allocation familiale. Et quand on réunit les différentes composantes de la société, de toute façon, c'est difficile de dialoguer parce que personne n'a le même point de vue. Parce que ce qui est important, c'est que là où on est, avec les expériences qu'on vit, on a un point de vue sur la société, sur son organisation et sur la façon dont on devrait l'organiser pour mieux vivre. Et c'est par l'échange, c'est par la richesse des échanges, c'est par la recherche de négociations, c'est par la recherche de compromis qu'on peut arriver à prendre des décisions qui soient partagées. Et c'est parce qu'elles sont partagées qu'elles peuvent être durables dans le temps, soutenues par les gens. Ça ne peut pas être simplement un dialogue entre experts qui nous disent comment faire. Il faut que ça vienne de la base. Et c'est comme ça que l'idée européenne, elle pourra se poursuivre et qu'elle sera toujours une belle aventure si les citoyens s'y engagent, ce que je souhaite. Pour vous, est-ce que l'Europe est toujours une bonne idée ? Oui. Pourquoi ? Sans réserve. Pourquoi ? Parce que je crois à l'organisation humaine, c'est-à-dire qu'à plusieurs, on est plus fort que seul. Quitte à aller moins vite, mais on va plus loin si on est ensemble. Voilà. Et l'idée de cohésion sociale, je la vis dans mon quartier, je la vis dans ma commune, et je la partage avec d'autres. On essaye de trouver des façons pour incarner et partager les changements, pas simplement attendre qu'on nous dise en fait ce que devrait être notre avenir. C'est ça qui me motive. L'Europe en 2030, en 2040, elle devrait ressembler à quoi ? Ça sera celle que nous aurons commencé à penser, que nos enfants mettront en œuvre et que nos petits-enfants vivront. Je crois qu'on a la chance d'avoir des technologies, d'avoir un niveau de formation qui nous permet en fait de faire face à l'incertitude avec plus de moyens qu'au Moyen-Âge ou qu'à d'autres époques. Donc on est capable de penser ensemble des stratégies, mais il faut que cette Europe, elle soit pas que technologique. Il faut avant tout qu'elle soit humaine et qu'on partage ce projet commun.